nous avons eu aujourd'hui une discussion franche, sincère, avec les opérateurs du textile et de l'habillement. Et nous sommes arrivés à la conclusion que nous avons un avenir extrêmement prometteur. Nous sommes fixés des objectifs en termes d'emploi, qui est la création de 80 000 emplois, et une série d'actions à mener ensemble pour développer le nouveau concept d'AIM Maroc qui a été brillamment proposé par les opérateurs, qui parle d'intégration en profondeur de la production nationale, de la soutenabilité de la production et au niveau environnemental et au niveau social et au niveau financier, et qui parle de la capacité de la production nationale et des marques nationales à accéder non seulement aux marchés nationaux, mais aussi aux marchés internationaux. Alors aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir Monsieur le ministre Alezit chez nous. Et la vérité, une très belle rencontre. Nous avons fixé des objectifs. Et là, nous pensons et nous sommes même convaincus qu'avec la stratégie que nous sommes en train d'établir ensemble, nous allons pouvoir réaliser cette création d'emplois de plus de 80 000 emplois. Et là, il y a des lignes et points qui sont bien définis et qui peuvent nous aider. Monsieur le ministre, il a bien pris conscience de ces points-là. Et il pense bien aussi qu'il pourrait réussir à nous aider pour... Parce que là, nous sommes dans un gap. Et pour passer à l'autre gap, on a besoin vraiment de ce soutien-là. Et monsieur le ministre, il est bien disposé à nous donner ce soutien-là. Et nous sommes convaincus qu'ensemble, on va réaliser ce challenge.